La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bonjour, bienvenue au programme psychanalytique La sexualité féminine. Bonjour Elena. Bonjour Clémence. Je vous présente Elena Trujillo, Clémence Lenis, psychanalyste du groupe Ocero. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle initiative, un programme en français sous le nom de La sexualité féminine. Avant tout, nous allons vous présenter le mouvement scientifico-culturel Grupo Cero. Il est considéré comme un des mouvements scientifico-culturels des plus importants du monde et il fonde le réalisme psychique. Ce mouvement a été fondé en 1971 et il a ensuite fondé une école, l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, dirigé par le poète et psychanalyste Miguel Oscar Menasa. Nous étudions toutes les deux, Elena Trujillo et Clémence Lenis, dans cette école depuis maintenant plus de 20 ans. Car la formation d'un psychanalyste est une formation obligatoire et indispensable pendant tout l'exercice de son activité professionnelle. L'école de psychanalyse est une réponse à la situation de l'époque, en 1981, en Espagne, où la pratique théorique avait été abandonnée et où le comportementalisme régnait. Face à ça, je vais donc vous introduire un petit peu l'idée en faisant la lecture du premier manifeste Grupo Cero de 1971, qui était donc écrit à Buenos Aires et qui est traduit en français par Claire Delupli. Ce que nous commençons à écrire a la prétention d'être un manifeste. Manifeste d'adhésion, si l'on veut, ou véritablement manifeste de rupture. Puisque toute adhésion porte irrémédiablement en son sein un oui et un non. Ou pour le dire de façon moins allusive, toute rencontre porte en elle, et c'est vrai, pour le moins, une séparation. Manifeste dont nous ne savons pas au moment même de sa création s'il pourra avoir ou bien si nous serons capables de lui faire avoir la publicité que nous désirons. Nous voulons expliquer de la façon la plus désordonnée possible à quoi et à qui nous adhérons et qui nous sommes. Nos index, nés pour signaler, montrent et s'en réjouissent ce qui superficiellement peut être vu comme un simple acte de rébellion de quelques enfants turbulents de la grande famille patriarcale qu'a signifié et continue de signifier pour certains l'appât. Mais nous savons que nous montrons un produit achevé dont la production a demandé de longues années de travail. Et s'il est vrai que son dernier artisan fut le Grupo Plataforma, nous ne pouvons pas oublier que la possibilité de cette rupture qui aujourd'hui se produit dans l'appât, marquant peut-être le commencement d'une nouvelle histoire théorico-pratique pour la psychanalyse en Argentine, était déjà là au moment même de sa fondation. Quand le docteur Enrique Pichon Rivière, l'un de ses fondateurs, se soumet à la proposition de se psychanalyser avec un des autres fondateurs, le docteur Angel Garma, il dit « Moi, je vais me psychanalyser avec lui, mais lui va devoir apprendre beaucoup de choses de moi. » Relation thérapeutique qui se termine au bout de 4 mois, quand la mère d'Angel Garma mord les entrailles de Pichon Rivière. Fin d'une relation thérapeutique et début d'une fissure au sein de l'appât, qui provoque une séparation en deux groupes, aussi définitivement séparés et distincts que l'est la séparation définitive et immortelle que produit l'événement de la répression originaire dans l'appareil psychique, en fondant deux instances,
l'inconscient et le préconscient, irréconciliables et différents dès lors et pour toujours. Nous sommes en train de lire les premiers manifestes groupe zéro. Je continue. Un groupe qui pense et détermine son leader, Enrique Pichon Rivière, ses vicissitudes, la lutte contre la répression. Un autre groupe qui apparaît et qui crée la fausse illusion d'être l'unique. Ses leaders, les autres, ses vicissitudes, ne pas penser, réprimer, cacher. Groupe qui ne pourra pas penser car en aucune façon le temps de tuer peut être le temps de la création. Et qu'on ne vienne pas demander d'où nous sortons tout ça. Parce que comme vous le savez, ou tout au moins devriez le savoir, le fantasme se construit par après-coup. D'autres noms, d'autres souvenirs, d'autres événements, plus connus par vous, mieux remémorés par vous, auront marqué à leur façon l'histoire de cette rupture. Nous vous laisserons les nommer, vous souvenir d'eux. Cependant, nous ne pouvons pas ne pas mentionner quelque chose qui nous montre clairement que les guerres sont terribles, qu'il y a toujours quelqu'un qui doit mourir, qu'il y a des cicatrices de la guerre, des traces de la guerre qui sont très douloureuses parce qu'elles touchent les êtres aimés. Nous sommes en train de dire que nous lamentons la mort de José Brejel, de notre cher Pepe Brejel, qui depuis le début lutta pour toutes les ouvertures possibles du mouvement psychanalytique, en commettant beaucoup d'erreurs, c'est certain, mais en commençant à tracer de nombreuses lignes de pensée d'une valeur inestimable. Mais que peut-être à cause des années, les années parfois font ces choses, peut-être à cause des mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies parfois influencent réellement, au moment de choisir, au lieu de choisir la vie, il choisit la mort. Ceci est seulement un exemple. Nous pensons qu'il doit y en avoir d'autres. Les guerres sont terribles. Partir por los caminos donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Águilas marinas, dorados cóndores se guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra, el que no se contagia ciega su ser frente al escándalo de la carne. Pom 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 pom. Legendarios odres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen
los orígenes. Pom 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 pom. La luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol. Nuestro destino, la palabra. Pom, 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 pom. Pom 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 pom. C'est donc un manifeste qui présente une rupture, un nouveau champ à l'intérieur de la psychanalyse freudienne. Ce manifeste en est la preuve. C'est une nouvelle conception de la transmission et c'est une nouvelle conception de la formation de psychanalyste. Une des premières marques très importantes. Cette école de psychanalyse est fondée et dirigée par un poète. Eso. Miguel Oscar Menasa. Oui. Grupo Cero, c'est la rencontre de deux signifiants, poésie et psychanalyse. Pourquoi poésie et psychanalyse ? Parce que la psychanalyse a besoin de la poésie pour la transmission et diffusion universelle de cette science. La interprétation est poétique. La poésie n'a pas eu besoin de recourir à la psychanalyse, mais la psychanalyse, si, a eu besoin de la poésie. Bon, je continue avec la lecture du manifeste. À nos débuts, il n'y avait qu'une clarté. Qu'une lumière, notre ferme, et nous dirions courageuse, décision en son temps de ne pas entrer à l'APA. Notre décision, nous ne l'avons pas prise seule. Nous ont aidé et encouragé peut-être de nombreuses personnes, mais seulement quelques noms ressortent nettement. Juan Carlos de Brasi, Armando Bauleo, Raúl Charreta, qui depuis l'incertitude de la théorie ou bien depuis l'incertitude de l'idéologie, nous ont enseigné qu'il n'y avait qu'une seule façon de penser et que cette façon survenait dans la clandestinité, hors de toute institution. Dans l'incertitude, hors de toute sécurité psychologique, dans le silence, à l'insu de la répression. Lorsque nous nous sommes constitués en groupe de travail, depuis 1970, Sergio Larriera, Roberto Molero et Miguel Menasa, qui étions le groupe primitif, nous nous sommes réunis avec Horacio Baya, Guillermo Bristo et Jorge Nonini, qui par d'autres chemins étaient arrivés à savoir la même chose. Déjà, alors d'autres clartés illuminaient nos regards. Nous savions, notre connaissance, notre façon de penser était différente. Parce que nous n'étions pas rentrés à l'APA. Pour le dire de façon sauvage, dans nos têtes résonnaient des clairons inimaginables. Le premier manifeste surréaliste, quand Breton s'en prend férocement au mouvement Dada et abandonne une fois pour toutes la sécurité pour l'insécurité, quand il propose de semer des enfants partout, quand il choisit la poésie, quand il conseille de partir sur les routes. Partez sur les chemins. Le Neruda de résidence sur la terre, le Pavesé de travailler fatigue, le Faulkner de tandis que j'agonise, ou de palmier sauvage, le Sartre qui nous parle avec entêtement de la liberté et qu'il n'a jamais atteint, le Joyce d'Ulysse, le Miller qui à 40 ans décide de laisser le bureau pour être l'écrivain qui se moquerait de tous et de lui-même, car à la fin, c'est égal, la mort est inévitable. Le Vallejo des héros noirs,
le Mayakovsky du nuage en pantalon, l'Essénine de son voyou, l'Art des sept fous, le Tounion de la rue du Trou au Bas. Et fondamentalement, parce que sinon vous n'y comprendrez rien, le Marx du Capital, le Freud de l'interprétation des rêves. C'est sûr, nous sommes sûrs que d'autres clairons retentissent aujourd'hui dans nos têtes et une joie infinie dans le cœur. Quel beau commencement, n'est-ce pas? C'est une bien merveilleuse manière de commencer. Donc ce groupe, le Grupo Cello, il a une autre marque indélébile. Non seulement il y a poésie et psychanalyse qui forment Grupo Cello, mais sinon il y a une caractéristique indélébile, donc je dis de Grupo Cello, c'est qu'il est principalement composé de femmes travailleuses. Menassa les appelle les soldats, des dirigeantes, des poètes et bien évidemment des psychanalystes. Voilà pourquoi nous voulons parler de la sexualité féminine, parce que c'est la sexualité la plus réprimée, la plus mal connue. C'est donc cette sexualité que nous voulons aborder dans ce programme. Et pourquoi cet espace radiophonique en français? Parce qu'il y a, Elena, une grande quantité de lecteurs francophones qui suivent avec enthousiasme le travail de l'école de psychanalyse et poésie Grupo Cello et l'écriture de Miguel Oscar Menassa. Nous vous recommandons la lecture de la revue de diffusion gratuite La santé, c'est la poésie. La poésie, c'est la santé. De l'éditorial, vous pouvez trouver la revue sur editorialgrupocello.com dans la section Revista. Maintenant, je vais vous lire un poème qui a été d'ailleurs mis en chanson, que vous pourrez écouter par la suite. Mais je vais d'abord vous le lire en version française, donc toujours traduit par Claire de Loupy. C'est un poème qui s'appelle « Partir par les chemins ». Partir par les chemins où nichent les cœurs qui savent de l'amour. La poésie nous accompagne et nous accompagne ses amis, doux comme la neige, que nous avons vus tomber sur notre cordillère. Aigle marin et condor doré guident nos pas. Nous apportons avec nous la lèpre. Celui qui ne se contamine pas aveugle son être face au scandale de la chair. De légendaires jarres de vin nous attendent pour étancher la soif. De petites étoiles jaillissent de nos mains et glissent silencieusement vers l'abîme où adviennent les origines. Là, la lumière des étoiles est insuffisante. Nous cherchons le soleil, notre destinée, la parole. Donc vous pouvez écouter par la suite la chanson « Partir por los caminos » qui était composé et mis en musique et chanté par Clémence Lenis. Et vous pouvez aussi disposer du disque qui est, si vous le réclamez un petit peu, on vous l'envoie. Et nous avons la grande phrase de Miguel Oscar Menassa, dont nous pourrons d'ailleurs parler pour le prochain programme, qui dit « Si le poème est possible, possible est la vie ». Et aussi, nous dit que vous pouvez nous écrire au mail La sexualidad femenina radio@gmail.com. La sexualidad femenina radio@gmail.com. Donc, au revoir et on se revoit la semaine prochaine au même endroit. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Evox aussi. Ah, sur Evox aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez nous retrouver facilement le programme que nous dénommerons La sexualité féminine. Au revoir, Elena, et à la semaine prochaine. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir
a ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en servicio Lunis pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más, y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.